Salut à tous les supporters de l'OM, on apprend que Mika et Pisa confirment son départ de l'OM. Le Barça et l'OL ont tenté d'attirer Gerson. L'OM est toujours sur le défenseur latéral Fabien Cétozé de Metz. Pablo Longoria surveille le milieu international allemand. Serdar évolue du côté de Schalke 04, c'est un milieu de terrain. Il est en fin de contrat en juin 2022. Ils étudient de nombreux profils. Il va bénéficier d'un bon de sortie. Quant à Thiago Almeida, il ne répond plus à l'OM, à Sampaoli, ce qui ne sent pas bon. Marseille avait fait une offre pour finaliser de 15 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Quant à Cyril Thériault, l'ancien coéquipier de Gerson, il a déclaré être surpris par Gerson à l'OM. Il a déclaré « c'est un joueur moyen, banal, même il ne jouait pas beaucoup. Il était très jeune, il arrivait de la Roma pour se relancer. » C'est un bon mec qui n'a pas eu de problème dans l'adaptation du pays à une nouvelle culture, mais il a clairement souffert de la différence de rythme et de niveau en Italie, ça n'a rien à voir avec le Brésil. Ce n'est pas aussi facile pour moi, c'est une surprise de voir à l'OM après ça peut marcher. Reste à savoir s'il a franchi un cap, mais encore une fois, il était très jeune à l'époque. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.